À sa création il y a 9 ans, peu de gens pensaient qu'un grand festival de cinéma pourrait s'imposer en Roumanie. Et pourtant, c'est chose faite. 240 films d'une cinquantaine de pays sont présentés cette année à Cluj. Des longs-métrages, mais aussi des documentaires et des courts-métrages. Jour et nuit, des centaines de spectateurs se pressent aux projections, en quête de découverte. En général, les films qui sont présentés à Cluj ne sont pas des films commodes ou qui laissent le spectateur dans un état de léthargie. Au contraire, ils incitent à réfléchir. Ils stimulent l'esprit et ne te laissent pas indifférent. Wim Wenders, le cinéaste allemand, n'est pas non plus resté indifférent et a souligné l'excellente image dont jouissait le festival en Europe. Cluj s'est aussi imposé sur la scène internationale grâce à l'art contemporain. Un espace culturel a été créé sur le site d'une ancienne fabrique de pinceaux qui ne fait plus le poids face à la concurrence chinoise. Des peintres comme le roumain Adrian Geni, reconnu dans le monde entier, y ont leur atelier. On y trouve aussi de la photo, des arts plastiques et de la sculpture. Chacun d'entre nous avait construit son propre projet artistique depuis longtemps et c'était le moment d'offrir au public un lieu plus cohérent et où il puisse voir plusieurs événements en même temps, économisant du temps et de l'énergie. Depuis 5 ans, Cluj accueille aussi un festival international de contact improvisation, une forme de danse contemporaine. Il s'agit à la fois de découvrir une liberté de mouvement, mais aussi des techniques de danse. Les participants viennent de tous les horizons. Sans parler des professeurs venus d'une vingtaine de pays, nous avons eu des participants de Pologne, de Hongrie, de Belgique, de France, de Turquie et d'Israël. La tranquillité transylvanienne de cette troisième ville de Roumanie semble donc propice à la création. Une ville où les artistes apprécient de pouvoir se cacher dans leur atelier pour créer.